Nous veillons à ce que le projet Douala Clean City soit effectif à Ndokoti. Donc pour cela, nous essayons de faire participer les acteurs du désordre à la lutte contre le désordre urbain. Ça a toujours été notre credo. C'est-à-dire de faire en sorte que ceux qui font le désordre puissent eux-mêmes contribuer à mettre de l'ordre. Le programme Douala Clean City, It's Possible, invite chaque habitant à adopter les bons gestes pour la propreté de la ville de Douala. Pour notre santé et celle de nos proches, ne jetons plus les ordures au sol. Il faut désormais les mettre dans des sacs plastiques, bien attachés, attendre le passage des entreprises de ramassage ou les jeter dans les bacs. Par arrêté municipal, il est désormais interdit de jeter les ordures au sol au risque de payer une amende de 10 000 francs CFA à 40 000 francs CFA et une amende de 25 000 francs CFA en cas de fouille des sacs poubelles déposés dans les bacs publics. Dénoncez tout acte d'incivisme en envoyant une image ou vidéo au numéro WhatsApp 655 66 77 77, 680 48 80 48, 621 37 18 18. Ensemble, gardons notre ville propre. Douala Clean City, it's possible. Un message de la communauté urbaine de Douala. Et ici, là, sur ce tronçon du Mat Génie, nous avons réussi à dénicher déjà, à identifier, il y a le président de la zone, parce que chaque secteur ici a un président. Si, monsieur Mbonyou, Janvier, je suis le représentant du couloir de Mat Génie, ici à Ndokoti. Que la communauté nous a fait comprendre que les trottoirs ne doivent pas être occupés par les populations. Donc ce que nous faisons, c'est que nous essayons de reculer les commerçants qui vont loin derrière et qui laissent le trottoir aux piétons. Donc nous avons beaucoup travaillé, on a trouvé des mesures, comme par exemple mettre des marquages. Donc on a tracé une ligne, cette ligne-là, les commerçants ne doivent pas la franchir. Au cas contraire, on va les sanctionner. Ils ont également mis sur pied ici-là un nettoyage tous les jeudis et même en semaine, ils font du nettoyage. Ils ont acheté les sacs pour les poubelles qui permettent à leurs membres qui vendent ici-là, plutôt que de les voir être chassés, ils ont contribué à leur écrasement. Et ils ont également conçu des comptoirs qui ont des dimensions identiques pour permettre que ceux qui sont en arrière puissent être vus. Là, à l'intérieur, nous avons 4 demi-fûts poubelles que nous allons disposer tout le long du couloir. Et chaque jour, lorsque les commerçants viennent, ils doivent nettoyer. Ils doivent nettoyer et mettre les ordures dans les bacs à poubelles. À chaque fois, la police municipale vient contrôler le travail que nous effectuons sur le terrain. Donc ici, dans notre couloir particulièrement, nous avons disposé des tables basses pour ceux qui sont un peu avancés. Et le derrière, il y a également un couloir qui longe là tout le long pour permettre également aux piétons ou alors aux clients de faire le tour. Ce matin, je suis arrivé que mon petit qui a installé avait traversé. Et la dame a confisqué ma marchandise. Je demande vraiment pardon à la dame et je remercie vraiment le travail que la dame fait puisque nous, les clients circulent sans problème depuis un certain et la place est propre. Et nous allons respecter les limites qu'on a données. Nous pensons que le programme Douala Clean City, initié par le maire Roger Mbassandine, est une réussite sur cet axe et nous continuons ainsi sur tous les autres axes. Le programme Douala Clean City, It's Possible, invite chaque habitant à adopter les bons gestes pour la propreté de la ville de Douala. Pour notre santé et celle de nos proches, ne jetons plus les ordures au sol. Il faut désormais les mettre dans des sacs plastiques, bien attachés, attendre le passage des entreprises de ramassage ou les jeter dans les bacs. Par arrêté municipal, il est désormais interdit de jeter les ordures au sol au risque de payer une amende de 10 000 francs CFA à 40 000 francs CFA et une amende de 25 000 francs CFA en cas de fouille des sacs poubelles déposés dans les bacs publics. Dénoncez tout acte d'incivisme en envoyant une image ou vidéo au numéro WhatsApp 655 66 77 77, 680 48 80 48, 621 37 18 18. Ensemble, gardons notre ville propre. Douala Clean City, it's possible. Un message de la communauté urbaine de Douala. Voilà.